Vous êtes gâté, vous avez vu cette nouvelle barre d'affichage, hein? Bon, on a changé la barre d'affichage. Et puis aussi, ah, regardez, je me suis lavé pour vous et je me suis rasé pour me faire tout beau. Bon, ça c'est juste du cosmétique, mais bon. Donc on va quand même commencer un petit peu cette partie 5. Sinon les gens vont se plaindre. On a même changé le logo, regardez. Hein, vous voyez? Ça a bossé en amont là. Vous voyez ça? Ça a bossé en amont. Allez, partie 5. Dead Space, ça m'avait manqué. Bon, on a, c'est simple, on a une cartouche de 2 pour chaque truc. On va bien voir. Hein. On va bien voir. Bon. Ellie, il y a un tentacule géant qui bloque le transport. Tout autour d'une grande caisse. Une caisse? Trichlorure d'azote. Ça explose avec la chaleur. Parfait. Ça explose avec la chaleur. D'accord. Évidemment, on peut pas s'en servir. Bon, bah encore, on utilise ça. C'est ça le délire? Pas du tout. Oh, j'ai pas envie de faire une connerie. Oh, puis voilà, j'ai fait une connerie. J'ai perdu. Le live a à peine commencé. Rendez-vous compte. J'ai déjà perdu un potentiel truc à aller m'aider. Plus... alors qu'il fallait se servir de ça. Ah non, non, c'était bien ça. Je me suis pas trompé. Et le dernier? Ah les salauds. Lesquels que j'ai pas fait exploser? Plus d'armes. Plus d'armes. Mais quel con. Putain, mais... Là je... Mon dieu, y'en a pas un autre par, un peu par là? On a plus d'armes. Je vais pas utiliser un de mes trucs. Oh mon dieu, quel faux départ. Quel faux départ. Ça sert à rien en plus. Non mais j'ai plus hard d'armes. J'ai plus d'armes. Bon allez hop. Ah vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés là. Là je vous ai gâtés. On recommence. Point de contrôle. Oui. Ah vous êtes gâtés là. Là vous êtes gâtés. On a fait un faux départ. Mais alors grandiose. Ellie, il y a un tentacule géant qui bloque le transport. Tout autour d'une grande caisse. Une caisse? Trichlorure d'azote. Ça explose avec la chaleur. Parfait. Mais ça veut rien dire. Bon. Là. Lequel est baisé là? Que je leur fasse pas deux fois la même erreur, ok? Mais j'aurai jamais assez. Ils ont déjà explosé ceux-là. Mais oui, mais il m'en manque. Donnez-moi... Donnez-moi... Je comprends pas. Oh mon dieu, je vais encore... Ah mais... Ah, putain mais qu'est-ce que je fais con. Il nous ordonne à chaque fois. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon. Ça marche. On a parti. On se rejoint plus loin. C'est bon, je te vois. On se retrouve devant. Et en même temps, c'était pas évident. Hein.
Vous savez ce que j'ai envie de faire? Genre, est-ce qu'on peut le faire là d'ici? Ah putain, mais c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse, évidemment que ça pouvait passer, regardez. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est des coquins. Et c'est pour être poli hein, que j'ai jeté des coquins. Et en plus, ils m'ont. Ah là 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 là. C'est pour être poli que j'ai jeté des coquins. Hein. Ça vaut pas, non? Là, au milieu? Si tu fais sauter ça, tu vas faire cramer tout le reste ici. C'est bien vu. Rien, Strauss. On y va. Quoi, on y va, on y va, on y va. Attends. Eh oh. Moi, je suis pas tout à fait prêt. Putain, mais on aurait pu utiliser l'autre. Pourquoi elle a disparu? Ah, mais il y en a d'autres ici. C'est très bien. En même temps, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était pas complètement évident que quand on en prend une autre apparaissait, quoi. Hein, vous êtes d'accord? On va d'accord. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Je me doutais bien qu'ils allaient pas nous laisser faire notre petite action sans nous envoyer un monstre. Mais je pensais pas que ça allait être ainsi gros. Sachant que j'ai pas de vie. Hein. C'est ça qui est quand même malheureux. Qu'est-ce qu'on a? Si on peut le prendre tout de suite ça. Ah oh, mais c'est malheureux. Allez. Bon, maintenant on se fait plus avoir. Et on essaye. Allez. Il y a un tentacule géant qui bloque le transport. Tout autour d'une grande caisse. Une caisse? Trichlorure d'azote. Ça explose avec la chaleur. Parfait. Bah reviens. Ah voilà. J'ai eu peur. Normalement, si on le stase bien, on doit pouvoir s'occuper de... Je suis en train de réfléchir. Si on le stase bien, là, le monstre, on doit pouvoir s'occuper... d'envoyer des bonbonnes sans qu'on ait à le combattre. Vous pensez comme moi, hein. Ça, on n'y arrivera jamais. Ça marche, on est reparti. On se rejoint plus loin. On se retrouve devant. Surtout en mode survivant. Alors attendez, je vais essayer un truc. Oh, j'ai réussi. Mais là c'est dégueulasse. Quoi? Ça vaut pas, non? Là au milieu? Si tu fais sauter ça, tu vas faire cramer tout le reste ici. C'est bien vu. Rien, Strauss. On y va. Putain, mais non. Changer de technique. On va changer de technique. On va s'occuper du monstre. On n'y arrivera jamais. Et j'ai passé deux stases de toute façon. Et puis ça enlève que un point à chaque fois. Autant regarder sur le premier. Sur le premier, quand on envoie un truc, il y a un tentacule géant qui... ça en enlève deux d'un coup. C'est sympathique. Ça explose avec la chaleur. Ouais, vous avez vu? Mais sur l'autre, quand on en envoie, c'est un seul à chaque coup, quoi. Alors celui-là, je le garde, hein. je le garde. Allez. Allez, petit coquin. On va y arriver. Faut se remettre dedans, hein. On est en mode survivant, hein, je vous rappelle. Hein. Ça marche, on est reparti. On se rejoint plus loin. C'est bon, je pense que le trigger se fait à partir du moment où on envoie le premier. Soyez prêts, plus qu'un. Quoi? Ça vaut pas,
Là, au milieu? Si tu fais sauter ça, tu vas faire cramer tout le reste ici. C'est bien vu. Rien, Strauss. On y va. Merde. Putain. C'est bon, on l'a eu là? Ouais. Putain, pas bien vu là. Ça n'ira pas, ça. Et c'est chaud, hein. Je sais même pas quelle arme utiliser. J'ai plus d'armes. Non, mais j'ai plus d'armes, j'ai plus de soins. Non, ça c'est dégueulasse. Et ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Alors moi je m'étais fait tout beau. J'avais fait un nouveau logo comme ça. J'avais fait une nouvelle bannière pour que ça soit la fête. Et on se retrouve avec... un monstre infranchissable. Moi, je suis dans l'idée qu'il faut absolument le staser, quoi. C'est ça, hein. On va racheter de la stase. Mais on n'a plus rien. On a 30 000. Si, si. Acheter. On va acheter de la stase. Ça coûte combien, la stase? 2005. Voilà, allez, on tente comme ça, on va le staser et on va essayer d'aller le plus vite possible, quoi. Ah bah putain, on en a un paquet là. Allez, on... Et on peut se racheter de la vie aussi, hein. Ça, c'est pas de refus, hein. On va y arriver comme ça, hein. J'en ai peut-être acheté beaucoup du coup, bon c'est pas grave. Et on se rachète de la vie. Voilà. Bon, on est pas prêt d'acheter la combinaison à 40 000. Hein. Je préfère vous le dire. Il y a un tentacule géant qui bloque le transport. Tout autour d'une grande caisse. J'en ai marre de l'entendre dire ça. Hein. Trichlorure d'azote. Ça explose avec la chaleur. Parfait. On va le staser à chaque fois. Et puis on va courir. De toute façon, j'ai l'impression que... Ils vont arriver indéfiniment, hein. Donc l'idée c'est de staser. Et en speedrun, c'est comme ça que ça se passe. On se rejoint plus loin. C'est bon, je te vois. On se retrouve devant. Bon, on va essayer de gérer ça bien. Ça, tu vas faire cramer tout le reste ici. C'est bien vu. Rien, Strauss. On y va.
merde, il est où? Allez, putain! C'est bon. Allez, 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 c'est bon. C'est ce qu'il fallait faire. Ah. On a peut-être vu un petit peu trop large au niveau soins. Ouf. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. On a fait au mieux là. Dans une autre situation, j'admirerais votre obstination, Monsieur Clark. Mais tout ça est plus important que vous. Vous avez n'importe quelle personne sur cette station. Chef, tout est prêt pour la régression définitive. Alors, on a bien joué, je pense. Désormais, tout n'est que point mort. Isaac, c'est quoi ce charabia? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par point mort? Il se sert du rayon solaire. Il faut arrêter ce truc, vite! Quoi, vous voulez arrêter le soleil? Ah bah bravo. Il se sert de ce truc. Il faut détruire le soleil. Il a coupé la station en deux. On peut plus avancer. Oh, ça en arrière. On retourne à cette station. Mais pourquoi? On y va, Ellie, c'est tout. Les Shimura, si les systèmes de gravité fonctionnent toujours... T'as l'intention de tracter ça jusqu'ici? Isaac, arrête, c'est ridicule! Si je réussis à aligner les voies pendant quelques secondes, tu devrais pouvoir traverser. Tiens-toi prête! Et prends soin de Strauss! Je comprends rien au scénario. Isaac, non! C'est complètement insensé! Et comment? Je suis plein d'idées insensées. Il veut qu'on retourne à l'Ishimura pour tracter quelque chose? Ok. C'est peut-être écrit là, hein, d'ailleurs. Gel médical? Non, il n'y a même pas la mission. Ah si. Tinman a coupé. Alors voilà, on fait un petit débrief. Tinman a coupé le siège du gouvernement du reste de la Méduse. Mes chances de détruire le monolithe s'en vont avec lui. Mais j'ai un plan. Les rayons tracteurs de l'Ishimura sont assez puissants pour déplacer les hémisphères entiers. Je dois pouvoir les utiliser afin de retenir le siège assez longtemps pour traverser. Bon. Celui qui a compris qu'il m'envoie un mail. Un email. Non, on va tracter le truc en train de se barrer, voilà, c'est ça. Une partie de Vénus. Bon, ici normalement ça fait peur, mais il se passe rien. Normalement. Oui, on s'est acheté trop de stase, mais bon, en même temps la stase on en a jamais assez. J'ai cru que ça allait être infranchissable, hein, ce truc avec lui. Quand je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on en balançait un, ça n'enlevait qu'un point, je me suis dit on est mal barré. On a beaucoup de stas, ça va être bien. Non, le balai, pourquoi pas un jour, mais pas maintenant. Donc on va retourner à l'Ishimura, ça me fait plaisir. Épisode 10. C'est des petits épisodes en fait, hein. Et oui, on retourne à l'Ishimura. Là, c'est là où on avait embarqué. Oui, j'y suis. Il doit encore y avoir un ordi à l'embarquement. Je pourrais consulter les statuts. Comment ça va? Ça va. J'ai l'air un peu nerveux. La dernière fois, ça s'est très mal passé. Bon, je te recontacte. Bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire que ça s'est mal passé la dernière fois. Hop, mon découpeur. J'aime bien moi le Mega Picard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve quand même drôlement bien. Ok. Ah ouais, on se souvient. Hein. Bon, là ils ont tous chatertonné.
Pour protéger de la poussière. Ah, je savais bien que j'avais vu quelque chose. On a besoin de sous, hein. 40 000 on a besoin. Si on veut la super armure. Ouais, ils ont tout chatertonné, ils ont tout colmaté. C'est un vrai plaisir. Ça fait penser un peu, vous vous souvenez, Metal Gear Solid 4, quand on retournait sur la base de Mos Eisley. Je crois que c'est ça le nom, Mos Eisley. C'est un plaisir. Nostalgie, petite larme à l'œil. Petite chialade. Ah, excusez-moi, je suis de bonne humeur. Très bonne humeur aujourd'hui. Bon, pourquoi? Ma petite idée, mais bon, je peux pas vous le dire. Secret. Système vitaux et de gravité sur circuit de secours. Système principaux HS. Centrifugeuse hors ligne pour maintenance. On a changé de voix. Eh merde, fallait que ça arrive. Quoi? La centrifugeuse est en réparation. Je vais devoir descendre à l'ingénierie. Ça risque d'être intéressant. Est-ce que ça ira? Ça m'étonnerait fort. Je te tiens au jus. Voilà, tous ces dialogues-là, ça m'étonnerait fort. Bon, c'était mieux dans le premier, il n'y avait pas tout ça. Il n'a pas besoin de faire une petite blague. Oh, ça m'étonnerait fort. Normalement, il devrait être mort de trouille. Il y a des espèces de nécromorphes qui sont immenses, et immondes et immenses. Enfin, personne ne répondrait. Oh, ça m'étonnerait fort. C'est ça, c'est ce côté un peu américanisé qui est agaçant, quoi. Le mec avec son ruban là, hein, regardez ça. Le mec avec son ruban et son chatterton rouge là, eh ben dis donc, il a dû en passer du temps. Hein. Bien courageux. S'il a fait ça sur tout le vaisseau, bravo. J'espère qu'il a été payé en conséquence. Je suis impressionné. Ah oui, regardez ça. Rien que cette petite structure là, bah regardez-moi ce bordel, le chatterton et tout ça là. Aujourd'hui là, comme j'écris des livres, parfois je fais des dédicaces et les gens me demandent des dédicaces. Donc là aujourd'hui j'en ai envoyé trois livres. Mais c'est chiant à faire avec le chatterton, le scotch, les timbres, les machins, oh là là, j'aime pas faire ça. Ah, je le fais parce que c'est mon travail, mais bon, ça me fait plaisir aussi, mais je veux dire l'emballage en lui-même, c'est chiant avec le chatterton. Et là lui, regardez ça. Allez, il y en a partout, ça a dû coûter une fortune en Chatterton. Fortune. S'il a fait ça sur tout le vaisseau, mes respects. Surtout que ça sert à rien. C'est ça aussi. C'est que ça sert à rien, c'est ça qui me... Ça qui m'intrigue. Ça me passionne. Regardez, pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Il croit que ça va colmater avec l'espace? Hein? Il croit que son Chatterton ça va colmater avec l'espace là? Que l'air elle va pas se barrer parce qu'il aimait un coup de Chatterton? Pas sûr que ça soit un très grand scientifique. Hein. On regarde quand même un petit peu partout. Voilà. C'est pour ça qu'on regarde un petit peu partout. Ah! Bah, ils ont essayé de remettre l'Ishimura et puis de faire comme si ça va. Enfin, il y a eu une enquête, il s'était passé des choses, voilà. Vous allez pas nous remettre exactement la même texture. Voilà ce que je crois, moi. Donc, ils ont chatartonné, histoire de dire que c'était biohazard, que c'était interdit. Bon, il reste quand même un peu d'énergie. Hein. C'est pas à coup de 600 qu'on va arriver à quelque chose, hein.
malheureusement. À 11h, on fait visage. Hein. On termine le chapitre de. Le dernier chapitre. Hein. Le chapitre Kahan. Hein. Vous le savez, ça. De courant. UGC, Shimura, Tram System, ok. Après, encore de la stase. Bon, la stase, on peut y aller, on en a. Hein. C'est le calme avant la tempête, là, il se passe rien. Hein. On nous dit d'aller par là, donc nous on va par là, évidemment. J'ai ramassé. Je crois que c'était le trancheur. Ouais. Découpeur, pardon. Ça, c'est le découpeur. Ça, c'est le trancheur. C'est le méga PK. Et ça, c'est le trancheur plasma. Cutter plasma. Et j'en ai que deux, alors. On va plutôt se baser sur lui. Surtout qu'il tire de loin. Il est juste un tout petit peu lent. Mais je crois qu'on a mis un point pour améliorer ça. Pas sûr. Exact. Bon. Ah. C'est pas beaucoup. On va plutôt. Bon, là, je sens que les embrouilles vont commencer. Me gratte. Ça me pique un petit peu le nez là, sur le côté là. Me gratte un petit peu. Voilà. Je suis bon. Là, on est bon là. Bon, on stase. Ils vont arriver par derrière, ils vont arriver par devant. Je le sens bien. On va être courir, mais c'est une très mauvaise idée. Il dit donc, il nous rafistole en munitions. Hein. Ça y est, j'ai enfin pu dire le mot munitions. À chaque fois, je dis en armes. En munitions. Bon, il nous faut quelque chose qui tire de loin. Bon, un peu de vie. Ah, ça c'est une petite... rigolo. Ça permet de l'éclairer un petit peu. Ça me dit quelque chose, ce passage. On le stase. On se casse. Ça a été tendu, on aurait dû. Non, non. J'ai cru qu'il y avait moyen, si vous voulez, de moyenner. Mais absolument pas. On ne pourra pas moyenner dans Dead Space 2. Surtout en mode survivant. Non, il va falloir qu'on se les fasse un par un. J'ai bien peur. J'ai cru qu'en courant. Et puis non. Enfin, il y a possibilité. J'imagine très bien qu'en speedrun, les mecs le font. Hein. Pas de doute. Sur ça, mais nous à notre échelle, non. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire du méca PLK dans le cul. Y'a pas d'autre mot. On va les faire un par un. On va pas se. Faut que je me remette dedans, hein. C'est un jeu où tu te fais toucher deux fois, t'es mort. Hein.
Et puis lui, il faut le toucher dans le dos, hein. Je pensais que mon méga P.K.A. allait être plus puissant que ça, mais en fait, c'est dans le dos qu'il faut le toucher. Faut faire le tour. Ah, je sais pas, il ressemble curieusement au. Je sais plus quelle arme j'ai de vraiment puissant. Celle-là, elle va vite, mais j'en ai pas assez. Non, faut utiliser ce qu'on a le plus. Non, ça c'est trop lent. On va faire du méga P.K.A. On l'a amélioré. Faut juste qu'on fasse le tour. Le tour de la bête. Et on le dans le dos, hein, je crois. C'est pas mal efficace là finalement le trancheur. Bon, il y a eu des coups de méga PK avant, hein. Ça c'était rigolo, ça nous permettait de. On lâche là, on a de la lumière. Ouais, et eux-mêmes nous disent d'utiliser le découpeur. Pas convaincu, hein, mais bon. Non, je pense qu'on va y aller au. Voilà, il y en a un deuxième. On va l'attendre sagement. Pas derrière. Non, c'est bon. Là, on peut gérer. Non, heureusement qu'il me reste du de ça. Mais merde, putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, j'avais tout fait bien, putain. Mon Dieu. C'est dégueulasse. Ah, ils m'ont mis un point de save. Il est curieux leur point de save. Ils ont considéré que j'avais réussi? J'ai l'impression, hein. Non. Il va nous rester les. Bon, c'est bien, il nous passe les deux gros. Ouais, voilà.
j'ai plus d'armes. Allez, on l'évite lui parce qu'il va nous vivre. On l'évite, il va nous mettre plein de petits, plein de petites bestioles merdiques. À moins qu'on puisse le tuer avec un de ses potes. C'est bon, on a bien fait. Il nous rembourse. Ah mon dieu! Bon, ils ont été cool sur le... Sur le checkpoint. Par contre là vous voyez, il y avait quelque chose là, il y a un bug. On aurait pu le récupérer. Je crois que c'est une lumière finalement. Ils ont été cool sur le checkpoint. J'ai cru qu'on allait être obligé de se retaper les deux gros. Hein. Mais finalement non. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon, on y serait arrivé. Hein. Mais bon, le mode de survie... En deux coups on est mort. Hein, donc... Évidemment, quand on peut éviter de se retaper des choses. Bon, là, la stase. Bon, j'imagine là, quand. Bon, ça m'a pas fait peur. Hein. Moi, je joue à vision. À visage, hein, s'il vous plaît. Ça me fait pas peur, ça. J'imagine qu'en mode speedrun, les mecs stasent tout et puis ils vont directement là, quoi. Bon. Je sais pas ce niveau-là. Alors, de toute façon, vous l'avez vite compris. Non, on va essayer de terminer. Une deuxième fois en mode survivant. 5 ans après. Le petit défi. Mais je vois bien que les réflexes. Hein, un petit peu perdu un peu de réflexes. Et là il me dit de monter. Ah bah c'est gentil mais. Ah oui d'accord. Bon très bien. Très bien. Ok. Non Ellie, c'est pas sûr. Je me dirige vers la centrifugeuse. Surtout fais attention. Je te dis quand ça remarche. Ok, moi aussi je te dis quand ça remarche. Ok. Donc là, on est vraiment ric-rac. Hein. On a que deux trancheurs. Cutter plasma, on en a 4. Le méca PK, bon, on en a plus qu'un. Et puis bon, là, notre arme favorite, le découpeur. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Accrochez-vous à votre slip, serrez l'élastique. Il ne reste plus qu'une balle. Comme ça. Je vois qu'il y en a qui se plaignent sur le chat. C'est comme ça. Non, même pas, zéro. Attention, l'ingénierie n'a pas terminé la décontamination. Bon. Déjà, on loot, hein, évidemment. On loot. Bon, ça fait plaisir. Nous remettre un petit peu quand même de découpeur. Bon, le chemin, c'est par ici évidemment. Qu'est-ce que. Des points de force, on en a combien? Ça va tomber à un moment donné. On en a que 2. Moi, je suis d'avis qu'on garde nos crédits. Hein. Moi, je veux absolument m'acheter la tenue à 40 000. Puis ça donne du challenge. Allez. Ils nous disent d'aller par là, bah nous, on va par là. Parce que là, c'est sûr qu'il y a un truc à looter. Vous allez voir. Merde, c'est pas où on vient. Ah mon dieu, Romain. Ah, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. J'ai fait la save? Non, je l'ai pas fait. Hein. J'avais pas fait la save. Bon, ça va. Ils sont rapides. Moins d'une demi-seconde. Ce qu'on appelle une save very fast. Une quick save. Qu'est-ce qu'on utilise? Bon, on reste sur le trancheur. Hein. On en a 4. Mais une chose qui me met dans la panade à chaque fois que j'oublie toujours de faire, là, je me confesse à vous, c'est que j'oublie toujours d'arracher les membres des nécromorphes et de leur renvoyer sur eux. Avant, je le faisais beaucoup. Je me souviens quand je jouais à Dead Space il y a 5 ans. Puis maintenant, j'ai plus le réflexe de faire ça. Mais pourtant, ça nous fait évidemment... faire beaucoup d'économies de munitions. Bon, c'est là où on va se trouver. Hein.
Je sais plus ce qu'on doit rétablir exactement. Enfin, de toute façon, dans Dead Space, il y a toujours un truc à rétablir. Il y a toujours un câble à mettre dans le cul de quelque chose. C'est ça, Dead Space. Et sur le trajet, évidemment, 2-3 nécromorphes. Si on devait résumer Dead Space, c'est ça. Il y a un câble à mettre dans le cul d'un autre câble. Faut réparer l'aspirateur. C'est ça. Bon, on a 2 points. Moi, je suis d'avis. On a 2 points, alors faut les utiliser intelligemment. Ça c'est pour le tir alternatif, on s'en fout. Le méga PK sanglant. Hein. Putain, 2 points, on a du damage en plus. Voilà. Allez. Ça fait un peu mal aux fesses parce qu'on en perd un. Mais on a du damage en plus. Et bon. Même si on a que 2 balles, vous savez à quel point c'est la puissance. C'est une des armes, enfin moi c'est une arme que j'aime beaucoup. Puis entre nous, il n'y a pas besoin de viser. C'est pas le javelot quoi. Pas très fan moi du javelot. Notamment pour ça. Ça épingle, ça. Alors c'est rigolo hein. Oh putain. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Alors on va s'amuser. Faut pas hésiter à se taser. Peut-être qu'il y aura rien d'ailleurs. C'est juste pour nous faire peur. Là, j'en ai vu un. Et ouais. Merci pour votre coopération. Je vous en prie. Ah non, c'était juste pour nous faire peur. Ce qui est bien vu. Parce que là, à 100%, tout le monde s'attend à... Comme dans le premier, que les nécromorphes arrivent. Et... Que nini. Point du tout, jeune homme. Bon, allez. De caisse. Il est en hauteur, hein. Et là, il y en a un autre. Non, je t'ai stasé, salaud. Ah là, c'est mal joué, ça. J'ai perdu. Ça, c'est mal joué. Mais bon, c'est mieux que se faire toucher, hein, évidemment. Il est encore là, l'autre. Hein. Ouais, allez. C'est bien, il m'a remboursé. Allez, on se fait un bisou puis on oublie. Ok, par où on doit passer? On doit passer par là, mais moi du coup j'ai envie de passer par là. Ah, je me souviens d'ici. Il est costaud lui, hein. Vous voyez ça? Faut qu'on les utilise. Ah voilà. Alors là c'est le méga PK. Ça fait chier d'en avoir utilisé 2. Il y a forcément un truc bien looté là, au bout. Putain, le bâtard! Merde, je l'ai pas eu. Et pourquoi on est venu là? Ah, il y a un point de force. Je me doutais bien qu'il y avait quand même quelque chose. Bon, tout ça pour un point de force. Ça fait cher le point de force, hein. On n'a plus de balles, on n'a plus rien. Certains du... Ah, ça fait un point de force.
C'est moi, ils sont de plus en plus durs là. Il y en a un derrière moi. Hein. Ça devient tendu. Faut vraiment pas hésiter à les reprendre et à les balancer. Il refile des trucs, hein. C'est fou. Ok. On n'est pas terrible, hein. Je vais pas vous mentir. On n'est pas terrible. Et puis là, j'en ai utilisé deux alors qu'il en suffisait que d'un. Putain, salaud! C'est le couloir de la mort là! Hein. Bon, il me fait pas trop de dégâts. Ah, il faut vraiment pas hésiter hein, Faut vraiment que je m'habille. Putain, il y en a un derrière moi. Putain. Faut vraiment que je m'habitue à les démembrer. Enfin, ça oui, mais à prendre leurs membres pour contrer les autres. Ça, ce truc-là. Ça, faut que j'ai le réflexe. Sinon on n'y arrivera pas. Putain j'ai plus de vie. Bon le couloir était tendu hein. Ils vont nous faire un petit coup de lévitation là. Ah bah voilà. Ah mon dieu. On va se remettre un petit peu de stase. J'observe un peu. Voilà. Ok, là il va y avoir une salle. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ça va être encore un truc de l'enfer. Ça tu te casses. Là il y a un truc qui clignote. Ouais, ok, il va falloir le replacer ça. On a un autre là. Peut-être. De toute façon, il va tout nous dire. Je suis en train de faire son taf là. Elle est déconnectée. J'ai envie de voir ce qu'il y a ici. Ok, ça sera là où on va se barrer après. Ok. Allez, va falloir lancer la centrifugeuse. Non, ça c'est une petite lumière. Il faut remettre les... Bah, faut remettre ça là, hein, ce qu'on avait vu. Allez, il est où? Je crois que je l'avais laissé là. Alors, par contre, faut les remettre où? Alors ça, c'est autre chose. Non, si. Voilà, il en manque combien? Il y en a un. Alors il en faut un. Il en faut trois, j'imagine. Deux. Il en faut trois. On va être embêté par des nécromorphes. Hein, quoi? Il le retire? Non, mais moi je veux pas que tu le retires. Ah, il est pas vert, hein. On va voir ça après. On va voir ça après pourquoi il est pas vert.
ça, il est vert par contre. Il est pas au bon endroit. T'es pas content ici avec tes copains? Ok. Pas mieux. Il s'est fait aux autres. Ah, le temps d'adaptation, l'assimilation, c'est toujours un problème. Hein. On a un temps d'adaptation. Ah ben oui, mais en fait il y a un petit schéma. Voilà. Il y a un petit schéma, j'avais pas fait gaffe. Donc celui-ci par exemple, c'est pas le bon. Vous voyez bien? Ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Il en faut un. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait un truc. Il en faut un qui soit tout droit. Comme celui-ci. Allez bien. C'est pour ça qu'il s'était pas bien assimilé. Voilà. Et lui. Bon bah c'est genre une petite énigme que j'aime bien ça. Ellie, ce satané système de refroidissement est en 1000 morceaux. Ah bon? Ça ne marchera que si les tubes sont connectés. Ouais, je vois des conducteurs parmi les débris. Je crois que je peux les assembler avec les bons connecteurs. Brouille. Le siège du gouvernement sera bientôt hors d'atteinte. Je sais, elle en manque un. Je fais aussi vite que je peux. Je te préviens quand j'ai fini. Il en manque un. Alors c'est moi qui... Ah oui, bah il est là. Ah, il veut pas le prendre. C'est bien ma veine. Allez, viens. Bah viens. C'est pas ta diva. Voilà. C'est bon. On va pouvoir relancer la bête. C'est bon, on a tout pris là. On regrette rien. Ça tourne maintenant. Et alors maintenant, on se casse par où? Et par là. C'est curieux qu'on n'ait pas eu besoin d'aller dans l'autre côté. Ah, parce qu'ils ont été obligés de remodéliser les Shumra, donc on n'a pas les mêmes missions. C'est du moins ce que je comprends. Enfin, c'est sûr. Vous n'allez pas faire disparaître la porte qui était dans Dead Space 1. Évidemment. Ça, je déteste. Ah non. C'est un flashback. Ah, mortel. Il y a vraiment de bonnes idées. Hein. J'étais un petit peu... J'avais pas souvenir qu'il était aussi sympathique. Enfin, qu'il était aussi bon, sympathique. Ah non, c'est un très très bon jeu. Excellent jeu, Dead Space 2. Et je préfère le premier pour le concept, d'avoir inventé tout ça. Mais le 2 est vraiment formidable. Hein. Je retourne à la station de tramway. Ok. Nous sommes presque détachés des rails magnétiques. À bientôt. Ok, puis on a pris le point de force, donc c'est très bien. C'est trop calme hein, quand même. Hein. Enfin bon, le couloir a été... un best-of. Ah par contre, là, il va nous faire une rotonde... Ah, je suis pas sûr que là, ça va se passer comme tout à l'heure. Hein. Oh, je suis con, j'aurais dû utiliser ça. J'ai perdu deux. Et voilà, et là j'en aurais besoin. Merde.
C'est pas plus mal. Je vais vous dire, c'est pas plus mal parce que je suis pas content de mon d'avoir utilisé le méga PK pour les petits. J'aurais dû utiliser ça. Donc l'un dans l'autre, je préfère recommencer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Putain, j'avais envie de fumer, j'aurais dû tirer une latte ou une cigarette. Bon, c'est pas grave. Je crois que c'est par ici qu'ils arrivent en premier. Hein. Mais quel con. Mais non. Mais quel con, mais... J'ai plus d'armes. J'ai plus d'armes. Allez, faut recharger. Il est où? C'est le dernier. Ça aurait été con de mourir là. Hein. Non, je les balance parce que. Alors, vous le savez. Là, on est tellement ric-rac au niveau munitions. Ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. Je suis pas super content. Un petit coup du fil d'Ariane pour être certain. Isaac, Strauss commence à m'inquiéter. Écoute. Je n'aurais pas. N'aurais jamais, mon fils. Papa n'est Strauss. Pas. Strauss, je ce n'est pas lui. Si c'est lui. Vous n'avez pas suivi les étapes. C'est pour ça. Strauss, l'aiguille vous pose ce tournevis. Strauss, Ellie, merde. S'il commence à attaquer au tournevis, Strauss. Bon, on a combien là? On en a un seul. Hein. De la force, on s'en fout. On va le garder. Hein. On a la durabilité ou alors de l'énergie. Améliore le nombre de tirs de 1. De la stase. Allez. On va le faire. Très important quand même la stase. Ce qui est chiant, c'est que c'est bien d'avoir un point sur soi. Allez, on se casse. On a réussi à remettre en route. Merde. Mais merde. C'est vraiment du mal joué. Hein. Je m'y attendais pas. C'est bien vu, hein, c'est le jeu qui est bien. Il me surprend à chaque fois. C'est pour ça que c'est bien de laisser du temps passer. Là, 5 ans, je me souviens plus.
Et pourtant, c'est pas faute d'avoir regardé des speedruns et tout, mais les mecs vont tellement vite, ils tracent et tout, qu'on se souvient pas des éléments du jeu, enfin, des triggers, de tout ça. Vous matez les speedruns, ça vous spoil pas le jeu, bon, à part les boss, tout ça, quoi. Mais sinon, quand arrivent les ennemis, l'ambiance, tout, non. Tu mettais plein de speedruns de Dead Space 1, Dead Space 2. En les refaisant, je me souvenais de rien. Ils vont trop vite, les types. Je me souvenais de rien. On va aller là. Je m'achèterais bien quand même quelque chose. De la vie, déjà. S'il y a possibilité. Et même pas. L'idée, c'est de la sauvegarde. Le plan. Ah oui, le stock est là. Ouais, non, il faut quand même qu'on s'achète un point de... Attendez, schéma téléchargé, énergie méga PK, kit de soins max. Ouais, mais c'est 10 000. Nous, on a 17 000. Moi, je suis d'avis de se prendre un... On se prend un point, un point. Et puis... Allez, on se prend un point de force. Ah ouais, on garde que les armes que nous file le jeu. On essaye au moins possible. On essaye de jouer à la... Ah, c'est vrai qu'on a rien du tout. Par contre, peut-être fait un peu le con. Je vais prendre quand même un découpeur. Il nous reste un peu de fric. Il y a peut-être des choses à vendre. Et ça. Ah bah carrément, 25 000. Du coup, on se reprend un point de force. Et on se prend... Non mais on fait les fous. On se reprend un deuxième point de force. Et avec les 7000, on se prend l'âme des coupeurs. Ça en fait 3. Trancheur. Et plasma. Voilà. Ça, on est un peu plus à l'aise. Ouais, le jeu nous file des trucs à revendre. Non, pardon. C'est l'objectif, voilà. Le jeu est quand même assez généreux au niveau fric. Bon, là, par exemple, faut du méga PK. Ça aurait été une bonne idée qu'il puisse casser la vitre, par exemple. Ça nous aurait surpris. C'est la première fois qu'il y a des ennemis avant qu'on reprenne le tram. Merde, il charge. Mais putain, c'est dégueulasse. Pardon, je crie un peu dans le micro. J'en ai conscience. C'est dégueulasse, il recharge. Allez. Alors notre destination, c'est d'aller au tracteur. Zach, ça fait mal, ce con m'a mordu. Quoi ? Oh merde. Est-ce que ça va ? Mais bien. Bah, c'est mieux que le tournevis, hein. Mais il parle plus et il veut plus me regarder. Et de ton côté, j'espère que ce plan va fonctionner. Je veux plus me regarder. Je vais à la passerelle pour activer les rayons tracteurs. Ok. Ils arrivent par l'unité médicale. Tu ferais mieux de la contourner. Obstacle repéré sur la voie. Mise hors tension. Bienvenue à l'unité médicale. Merde. Ah, on a un obstacle. Il faut virer l'obstacle sur la voie. Quoi?
C'est Nicole. Hein. Elle essaye de nous dire quelque chose depuis le début du jeu, mais elle pourrait directement parler de divorce. Hein. Ça irait plus vite. Elle essaie de me nuire. Voilà, je vous le dis comme je le pense. J'ai l'impression que Nicole essaie de me nuire. Je t'ai vu, toi. Oh putain, je l'ai pas vu arriver, lui. Allez, tue. Fait de se racheter des trucs hein, quand même. Donc là, ça aurait été un petit peu temps d'axe, on n'aurait pas eu assez. Ah si, mais... C'est un jeu qu'on passe notre vie à recharger. Hein. J'aime bien qu'elle recharge ça, il y a une vibration dans la manette. Là, j'avais même pas fait gaffe que là où je joue sur PC, que c'est vrai que ma manette vibre comme sur PlayStation. Très agréable. Là, on est en un peu plus confiné. Enfin, non. Je pensais qu'il était plus puissant mon trancheur. Hein. Il tue en deux coups, hein, toujours. Un peu déçu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des entraces de pas. Oui, ça c'est de la. Je sais plus comment on appelle ça, du blue, je sais pas quoi, pour voir le sang. Ah oui, je me souviens, ici on avait fait exploser le monstre. On avait eu un bol fou d'ailleurs, parce qu'il n'était pas exactement dans le caisson. On peut prendre ça. Ah, ça aurait été bien. On n'a plus de vie. Hein. J'ai tiré sur son sac à dos explosif et malheureusement explosé la tronche. Là, c'est ma faute ça, c'est toutes mes confuses. Donc faut le staser. Hein. Putain, j'ai plus rien. Hein. On va y aller avec ça. Hein. Je pensais être assez loin, vraiment je l'ai fait exprès, je pensais vraiment être assez loin. Putain, l'explosion est vraiment coquine. Hein. C'est pas difficile, hein, faut les staser, mais je pensais être assez loin. On peut y aller au découpeur. Hein. Enfin, je sais, à chaque fois je me fais avoir. C'est bien joué. Ça, c'était pas trop mal joué. De s'en servir pour tuer l'autre. Ok. Non, naturellement, on n'a pas de vie. Bon, les mecs qui font. Je vais me répéter, hein, mais les mecs qui font le speedrun, là, ils doivent tous taser. Ça doit être intéressant à regarder. Hein. Je vais me regarder ça après. Là, bon, on joue en mode difficile, mais en mode impossible, là, ou fanatique, comme ils disent. Cauchemar. Je serais quand même curieux de voir ça. Ça, c'est dégueulasse.
j'ai plus de stase. J'ai plus de stase. J'ai plus de stase. Putain, ils vont me faire refaire tout. Ah putain, si. J'ai combien de stase? Ah bah j'en ai zéro, j'ai rien, j'ai plus rien. On a tout claqué en point de force. On est fous. Lui on se le fait à la découpaille. Très mauvaise idée. Très 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 mauvaise idée. Je me doutais qu'il allait se pointer en plus. Pas le temps de le tuer l'autre. Bon. Ah, faut s'accrocher. Hein. C'est un challenge. Hein. Il se fait exploser tout seul, mais il m'a pas touché là. Enfin, bon bref. Il a vraiment aucun respect pour la vie, quoi. Je veux dire, même la sienne. Kamikaze à ce point. Mais je pensais sincèrement que mon trancheur était plus puissant que ça et je l'ai tué en deux coups. C'était bien joué parce qu'il me restait encore la... Putain, j'ai bien joué tout à l'heure. Là, j'aurais pu repasser ce passage. Ah, c'est chaud. Hein. C'est chaud. On va lui mettre un coup de... Ah, laisse tomber. Je pensais que ça allait faire tomber. Faut bien qu'on se prépare. C'est pas trop mal passé, sauf que j'ai pas de vie du tout. Le découpeur est quand même drôlement... J'en ai plus que deux. Non, on va y aller à ça. Et on stase. Faut courir aussitôt, mais c'est dégueulasse. Franchement, bon, ce qui est bien, c'est que j'ai compris pour la première séquence. Il faut utiliser que les... Putain, j'avais pas pris ça. Il faut utiliser que ça et envoyer des lames sur leurs bonbonnes, sur les sacs à dos explosifs. Et lui, on se le fait comme ça. Putain, il est trop près. Bon, ça me permet de vous montrer mes muscles.
Pour plus de muscles, n'hésitez pas. Sur Instagram, je mets des photos de ma femme toute nue et moi-même de temps en temps. Alors, n'hésitez pas. Non. Il est où l'autre ? Ça, c'est pas mal. Là, on a pas mal géré. Même s'il ne nous reste plus rien. Bon, il faut courir. Hein. On se souvient ? Il faut courir. Tout de suite, il faut courir. Je crois qu'il est là. Allez, cours! Putain, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse. Oh lolo lolo, ce passage! Ce passage, mes amis! Putain! On y était, hein. Putain, mais je suis trop con. Je sais pas, je le vois en face de moi, je me dis qu'est-ce que c'est le mieux à faire, quelle arme, et puis en fait je réfléchis, il me pète à la tronche, voilà, c'est tout. Le truc c'est de les staser tout de suite et puis de les faire exploser quand il y a un ennemi près, voilà. On va se poser cette question. Putain. Mais putain, mais... Ils vont plus vite que nous. Faut les staser. En plus je viens de le dire. Ça fait 7 fois que je meurs là, 6-7 fois. Je vais perdre tous mes followers. Les gens vont me haïr. Putain, mais en plus c'est pas un... Bon allez, c'est pardonné parce que sinon j'aurais jamais vu le point de force. Ah, je commence à perdre patience. Mais bon, ça fait 1h20 que je stream. Pas long, hein. Mais... Un petit goût d'agacement, là. Le seul truc qui me rassure, c'est que j'avais pas vu qu'il y avait un... Mais j'en perds deux fois. Et il me tue. En plus, j'ai dit qu'il fallait les staser. Je ne le fais pas. Romain. Ils sont pas durs en plus.
Rien n'est dur là. Je comprends pas. Il y a des passages où c'est bien plus dur. Et puis il y a des moments. Bah, c'est sûr. En fait, c'est des morts directes là. C'est ça qui est. La difficulté, elle est là. C'est que là. Mais je préfère me mettre au centre. Il recharge. Et là, on est content juste parce qu'on a réussi à passer ça. Tout à l'heure, c'était une formalité. Ne pas oublier de staser. Pas de stase. Ah si. Donc, ne pas oublier de courir. Non, cette arme-là, on l'oublie. Non, on reste là-dessus et on court. Et sachant qu'on peut staser. Et qu'il y aura encore cet enfoiré. Ah, c'est complètement aléatoire. Hein. On sait que ça va être le même. Non, ne fais pas ça. Putain, mais... Putain. Je l'avais, j'avais tout réussi. C'est fou. C'est le stress, hein. J'ai le casque à fond. Non, puis je joue mal. Voilà. C'est ça, surtout. Et en plus j'ai la stase derrière, j'ai même pas fait gaffe. Ça s'est passé bizarrement. Mais ça s'est passé. Il m'a refilé que dalle. Hein. J'ai plus une arme. Si j'ai du trancheur maintenant. Quoi ? Entendu. Non, il me faut. Il n'y a pas eu un truc en plus là? Rien du tout? Putain. Comment je vais faire là? Bon, pour ouais. Bon, on va voir. Je le sens pas. Je vous le dis, je le sens pas du tout. Allez, je recharge. Putain.
J'ai réussi, mais alors. Putain. On a plus rien. Ah, c'est chaud. Hein. Je pensais pas que j'allais en chier autant là. Continue un petit peu. Sachant qu'à 11h, on va faire visage. On va terminer le jeu, je pense. Il est quelle heure ? Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler. Je regrette. Je regrette tellement pour tout. C'est le message avant qu'elle se suicide. J'aurais aimé parler à quelqu'un. C'est trop le bazar ici. Je peux pas croire tout ce qui se passe. C'est bizarre. Je pense que ça ne tient qu'à une toute petite chose. C'est mon reste-tu là. Je voulais pas venir comme ça. On sort pas d'ailleurs pourquoi elle est morte. J'aurais tellement aimé te revoir. Une fois. Voilà, t'es comme ça on te voit mieux. Je t'aime. Bon, ok. Rien d'autre. Alors désolé hein, pour ce passage là, véritablement, c'était tendu. Mauvaise gestion de mon inventaire. Il me redonne quand même un petit peu de vie, mais alors vraiment, que dalle quoi. Une petite portion. Ok. J'ai un petit découpeur. Peut-être le recharger. Il est plus là. On a trois. T'es gentil, l'échelle, tu restes là. Pareil, toi, petit panneau. Mega PK me semble pas mal. Ah oui, on se souvient ici. Hein. Quel plaisir. Mais en fait, c'est ça, Dead Space 1, m'en reste mon préféré. Il est peut-être plus modeste, mais il est. Je sais pas, j'aime beaucoup. Celui-ci a énormément de bonnes idées. Là j'ai fait une connerie. Hein. Il est où? Voilà. Ça c'est réglé. C'est pratique aussi pour les gros. Là il y a l'électricité, hein, putain. Non mais il est jouissif, un suicide, voilà. C'est une très très bonne suite, voilà. Mais par nostalgie, je sais pas, je... Non mais faut pas que j'oublie que le méga PK, c'est vrai que depuis que je l'ai upgradé... Fait le café. Ah. Où donc? Je
con d'avoir fait ça. Faut qu'elle me file un truc. Alors j'imagine qu'il va vite falloir le replacer. Mais bon, il y a la fatigue un petit peu là. Je vous le cache pas. Un petit peu la fatigue. Une heure et demie de... Une heure et demie de VOD. Là, je commence à fatiguer. C'était où la dernière sauvegarde? C'était là-bas. Je cache pas que là, je fatigue un peu. C'est pas que je fatigue un peu, c'est que j'ai envie d'arrêter. Que je joue un peu moins bien, du coup ça se ressent quoi. On va essayer de pas être trop con. Voilà. Essayer d'optimiser. Il est où le... Faut le remettre où? Parce que ça serait génial qu'on puisse les exterminer. Ah bah non, faut le remettre là-bas. Évidemment, c'est pas possible. J'en ai combien là? J'en ai 5. Ah mais quoi? Je l'ai pas vu, putain. Putain, je... Il sort d'où? C'est moi qui suis fatigué. C'est moi qui suis fatigué. J'ai vraiment pas fait attention là. C'est pour ça que je préfère arrêter, parce qu'à un moment donné, j'ai le cerveau qui... Pas qui déconnecte, mais qui pense à autre chose. Je suis plus dedans là. Bah, c'est intensif hein, en même temps comme jeu. Hein. Ouais, j'avais complètement zappé celui-ci quoi. Bon, on peut le staser, il y a une machine à stase là-bas. C'est ça, hein? Non, non pas. Il est où? Ça arrange pas nos affaires. Ce serait tellement bien qu'on puisse l'utiliser pour... Voilà, dès qu'on va l'enlever... Dès qu'on va l'enlever, ils vont se radiner. Hein. Pourquoi elle est là? Oui. Très bien, il y a un point de force. Bon, à la limite, comme ça, ça nous a... Ah, et quoi? Ah bah oui, ça nous aidera. Évidemment. Ça va être... Ça va être bien vu. On va passer ce passage et au prochain point de sauvegarde. Je crois qu'il est juste après. Enfin, normalement.
recharge. Pourquoi des fois je vois qu'il me reste une balle? Soit loué, Dieu bénisse le découpeur. En fait, il passe parce que c'est ceux que j'ai pas eu ici, quoi. Du coup, j'aimerais bien aller sur le plan. Il est où? C'est un bug ça, hein. J'ai fait tout ça parce que je voulais absolument le... Alors déjà, on en sacrifie un là. Bah, normalement c'est vide, hein, vu qu'on a tout pris dans le premier Dead Space. Putain, un kit de soins, ça c'est... On a bien fait. Ah, cool. Ouais, voilà. On disait que sinon ça faisait un peu léger. Je sais pas ce qu'on a eu d'autre. Ah, un triple kit de soins. Ok. Bon. Évidemment, ça valait largement le point de force. Putain, il y a encore une caisse. Oh non, ben là, bon, là c'est Noël. Bon. On a 5 points. Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire pour... on a 5 points. Tir alternatif, on s'en sert jamais. Hein. Amplitude. On fait 1, 2, 3, 4. Durée. Détonation du tir alternatif plus rapide. On pourrait faire ça. Hein. Ou alors en capacité. On en a 5. Hein. C'est quoi ça spécifique? Spécial. Brûle la cible lors du tir. 1, 2, 3, 4. Et les autres, c'est quoi? Pas de spécial. Ça, c'est mon découpeur que j'adore. 1, 2, 3, 4. On peut se remettre. On peut se remettre du dommage sur le découpeur. Avec la recharge qui serait plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, on peut se remettre un. C'est tendu, on a envie de tout faire, évidemment. Qu'est-ce qu'on sert le plus? Le découpeur forgé, il est quand même vraiment utile. Celui-là, on s'est mis qu'un seul dommage, on s'en est mis deux. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on se... Allez, on regrette pas. Le méga PK, quand même, c'est... il nous sauve. Bien souvent. Au corps à corps, c'est quand même très 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 agréable. Allez. J'ai tout mis dans le méga PK, mais... Il est vraiment très 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 puissant. Et surtout il va se recharger bien plus rapidement maintenant. Il a plus de capacité. On a perdu un petit peu de temps, je m'en excuse. Mais c'était essentiel.
Qu'est-ce qu'il raconte, Nicole? Ok. Donc on va se laisser ici. Moi je vais looter la pièce. Et puis je vais faire un petit tour au stock. Là on... voilà. Allez, parce que ça c'est pas forcément intéressant pour vous. Le comment dire, le et ben de s'armer et puis de se réapprovisionner, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on se laisse là pour cette partie, c'est la partie 8, hein. Partie 8 de Dead Space 2 en mode survivant. J'ai pris un très très grand plaisir, une fois encore, à le faire. Je vais jouer à Visage tout à l'heure, à 11h, allez, on va dire 11h. Donc je vous embrasse fort, et puis n'hésitez pas à me suivre. Hein. Tout est indiqué là, vous avez vu, hein, j'ai changé la bannière, j'espère qu'elle vous plaît. Allez, tchuss. I do not believe.